Salut Brut et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire un peu le point de ces vacances. Alors j'ai été absent un petit moment de YouTube. Ma dernière vidéo, c'était justement mes vacances avec mes entraînements que j'ai pu faire pendant mes congés sur la côte. En revenant, je me suis lancé dans des travaux. Je me suis fait une terrasse. Je vous mets quelques photos. C'était un boulot assez monstre. En plus, pendant la canicule, du coup, j'ai pas mal sué, je peux vous le dire. J'ai quand même continué à m'entraîner, même les jours où je faisais mes travaux. Voilà, je continue à m'entraîner 6 jours par semaine avec une journée de repos, toujours en PPL, toujours plus ou moins les mêmes exercices. Les charges continuent à monter, le poids aussi. Je suis à l'heure actuelle à peu près à 66 kilos. Donc là, ça va faire aussi une semaine que j'ai repris le travail. Donc j'arrive encore pour l'instant à m'entraîner, comme pendant les vacances, comme pendant le confinement, ce qui m'a bien réussi pour prendre de la masse. Les calories, pareil, j'ai toujours le même nombre de calories. Là, par contre, on va arriver en septembre, donc ça va être la reprise sportive des clubs sportifs. Alors, je devrais reprendre la boxe pied-poing. On va sûrement faire du MMA aussi, de toute façon, je vous partagerai tout ça. Du coup, j'aurai deux entraînements en plus. De sport de combat par semaine. Alors le problème avec ces entraînements, c'est que c'est souvent pendant l'heure du repos du soir et qu'on rentre assez tard, enfin vers 21h, c'est pas trop tard non plus, mais moi je travaille du matin, donc je commence le boulot à 6h30. Alors le soir, on va voir, j'espère pouvoir quand même manger quelque chose de conséquent mais de rapide en même temps. Faut que je trouve des petites astuces en fait pour garder mon total calorique actuel, voire même l'augmenter, parce que le cardio il va augmenter. Alors pareil, depuis que je suis revenu de vacances, j'ai pas recouru non plus, donc ça va faire un bon mois que j'ai pas fait de footing. Donc ça, pareil, je vais continuer à le faire, mais pas au même niveau qu'avant, parce que voilà, le marathon, je laisse tomber, de toute façon ça a annulé. Puis j'en ai pas mal chié avec la dernière préparation qui a été inutile en plus, puisque la course a été annulée. Donc je vais plutôt faire, c'est continuer à courir pendant ma pause du midi, une ou deux fois par semaine. Ça serait plutôt une fois, je crois. Donc en fait, ça me ferait plus ou moins trois entraînements de cardio, quoi. Deux entraînements de boxe pied-poing, plus un footing. Donc tout ça, je vais essayer de l'incorporer à mes séances de musculation, à mon planning. Alors mes séances de musculation, c'est pareil, le volume d'entraînement, il a pas mal augmenté. Ma séance jambes, elle fait à peu près 1 heure, mais les séances dos, biceps et l'autre séance pec, triceps, avec les épaules, celles-là, elles me font, je fais 1h30 au moins. Donc à voir. Si en plus du boulot, les enfants, les devoirs des enfants, hein, tout ce qui va avec une vie de père de famille, est-ce que ça va être jouable? Donc ça, on verra bien. En attendant, bah, je vous repartage quelques extraits de mes entraînements, un peu en vrac.
Et j'espère à très bientôt pour du nouveau contenu. À bientôt les brutes sur Sport Brutal.